Nous lançons aujourd'hui la commercialisation du parc industriel durable Teofer, qui est situé à Bouskoura et qui est un parc industriel qui est composé de 22 unités industrielles destinées à la location pour les industries marocaines et les industries internationales. Et c'est un parc durable, c'est-à-dire qu'il intègre des dimensions de durabilité à la fois dans la sélection des entreprises, puisqu'on sélectionne des entreprises qui ont une politique claire sur l'environnement et aussi sur la dimension sociale de leur activité. Nous offrons plusieurs services. Il y a un service qui permet aujourd'hui de former des jeunes de la zone et de les intégrer au tissu industriel, mais aussi un espace de restauration destiné aux employés de la zone avec des prix qui sont pratiqués, qui sont adéquats aux besoins des employés de la zone industrielle. La livraison est prévue pour le mois de juin 2022. Et on pense commencer les opérations, et les industriels commenceront les opérations à partir du mois de juillet 2022. Comment se porte l'immobilier aujourd'hui ? Alors l'immobilier professionnel et industriel aujourd'hui est en développement. Il y a des besoins importants des industriels de pouvoir trouver des partenaires fonciers et immobiliers pour pouvoir développer leur activité. Parce que leur métier, ce n'est pas l'immobilier. Ouais. Leur métier, c'est de développer une activité productive. Et donc, Yasmine, en particulier la marque Teofer, a pour rôle d'accompagner ces industries-là. Et les demandes sont relativement importantes. Mais il y a un souci, il y a un sujet important sur l'intégration des dimensions environnementales et sociales qui doivent faire l'objet, comme dans ce projet-là, d'une vision globale et qui permettent, à partir d'aujourd'hui, de développer des parcs plus durables et qui intègre des notions d'intégration, par exemple, de la population qui vit autour de ces zones-là, pour lui permettre d'accéder à l'emploi et de la faire vivre et de permettre de donner des services au quotidien pour les employés de la zone.